foire internationale de Madagascar. Le Vita Malagasy s'ouvre au monde. La 10e édition de la foire internationale de Madagascar se tiendra du 7 au 10 mai prochain au Forello de Tanjumbatu. Cette manifestation économique verra davantage de participants malgaches et aura sa particularité. La particularité de cette 10e édition, bon, outre le fait que c'est une édition anniversaire qui sera exceptionnelle, c'est surtout les statistiques qui font apparaître que par rapport à l'année dernière, les entreprises venant de l'étranger occupaient 65% du terrain contre 35% pour les entreprises malgaches. Cette année, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que 65% de la surface exposable est occupée par des entreprises malgaches contre 35% pour les étrangers. Bon, pour nous, ça signifie une chose très simple. En dehors du travail de fond que nous faisons avec le monde de l'entreprise à Madagascar, c'est une volonté manifeste de l'entrepreneuriat malgache de reprendre du terrain et de relancer l'économie à Madagascar. Cette année, le thème porte sur le Vita Malagasy s'ouvre au monde. Ça, c'est un thème que nous avons déjà retenu depuis plusieurs années. La raison en est très simple, c'est que nous connaissons la main-d'œuvre exceptionnelle et de qualité de Madagascar. Régulièrement, vous avez même des entreprises du luxe qui œuvrent à l'extérieur, qui utilisent et qui emploient cette main-d'œuvre. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions valoriser ce savoir-faire malgache qui est capable, tout à fait capable de respecter les normes et d'aller présenter ses produits sur les marchés internationaux et de pouvoir pénétrer ces marchés. Donc voilà l'un des objectifs que nous nous fixons, améliorer l'offre exportable pour les produits malgaches.